Avec son équipe, on espère que ça. Voilà, où est l'équipe à Isabelle? Parce que si elle se cache, demain les clients, s'ils ne voient pas les vendeurs dans le magasin, on va avoir du mal. Alors présentez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, hein, les jeunes, normalement, c'est sur le devant de la scène, hein, c'est pas derrière. Voilà, c'est l'équipe jeune,
Allez-y, allez-y, mettez-vous là, vous allez être pris en photo. Encore cher. Bon, c'est des jeunes de Dormance, ils sont du cru. Ils étaient à la recherche d'un emploi, on les a pris, on leur fait confiance, on fait confiance à la jeunesse. Comme j'ai toujours fait, on peut avoir des hauts et des bas, mais il faut faire confiance à la jeunesse en l'avenir et toujours croire en ce qu'on fait et avoir de l'abnégation. Voilà, et là c'est la preuve que ça va pouvoir fonctionner. J'aime pas me mettre en avant. Je vais pas faire des heures et des heures de remerciements parce que ça sert à rien. Le but, c'est que le magasin fonctionne. On a eu des partenaires formidables, des entreprises locales. Bon, il y a eu des heures, je suis un gueulard, alors j'aime bien que ça avance, que ça aille dans le bon sens, que quand on a un projet, on va au bout. Bien sûr, je suis un sanguin, je suis un impulsif, mais j'ai le cœur sur la main. Voilà. Et le lendemain, c'est terminé, il se passe plus rien. Il vaut mieux les gens comme moi qui sont dans le jus que de se faire des caresses et des mamours et après des coups de poignard dans le dos. Hein? Ah oui, non, si ça marche. Il va pas me lâcher. Il va me lâcher. Bon, si. Je vais remercier quand même la mairie parce que sans la mairie, demain, il n'y avait pas d'ouverture. On a eu un refus du permis de construire. De la partie sécurité à cause d'une borne incendie et une non-conformité d'alarme incendie. Enfin voilà, le maire a pris ses responsabilités et après je lui laisserai la parole, mais il a pris ses responsabilités et j'en suis très honoré, très honoré. Il faut avoir dans l'esprit qu'il prend vraiment une responsabilité de dire on ouvre, on va au bout. Et ça, je le remercie, tout le monde le remercie, parce que sans lui, demain, on n'ouvrait pas. Donc voilà, merci aux partenaires, merci à ma femme, merci à mes salariés de Le Labour, d'Antoine, que j'ai réuni ici, les partenaires, Olivier, Daniel Van Luxen, ses fils, tout le monde a participé un petit peu, beaucoup. Et puis c'est confronté à mes engueulades. Voilà. Donc ce qu'on espère, nous on est des personnes d'adoption de Dormans, on a pris à bras le corps la ville de Dormans, et ça je le dis vraiment avec un pincement au cœur parce que ça me rappelle les Ardennes. Je suis exactement dans la même configuration et là me permettre d'investir ici, c'est une grande joie. Donc on se sent super bien ici, on espère que le magasin va fonctionner et on donnera tout au bout, parce qu'on est des commerçants dans l'âme, on aime les clients et on a cette envie de faire plaisir, de rendre service, d'avoir cette proximité, de ne pas laisser tomber la ruralité au profit des villes et de garder la population sur place. Et ça c'est vraiment un leitmotiv. Et on aura d'autres projets, j'aurai d'autres projets, et je vais continuer à avoir des projets sur le territoire de la commune de Dormans. Et ça, je ne m'arrêterai pas là, parce qu'on a des appuis, on sent les gens réceptifs, et ça fait plaisir. On a migré des Ardennes sur Épernay, j'estime qu'à Épernay, on n'a jamais été accepté. Ici, on est accepté à 200%. Voilà. Je vais laisser dire un petit mot à ma femme, qui a l'air étonnée, oh là là, non. Mais si, tu vas me dire un petit mot et après tu laisseras la parole à Christian parce que ça va me faire plaisir de lui laisser la parole. Voilà. Alors, t'es sûr que ça fonctionne? Allô? Oh non, pas allô, hein, non. Là, je te quitte tout de suite. Non, bon, déjà, je voudrais tous vous remercier d'être venus ce soir, d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous faisait plaisir, en fait, d'inviter tous les gens de Dormans, enfin, les commerçants, là, parce que maintenant, on est commerçants, donc je pensais que c'était très important d'avoir les commerçants, la municipalité, les artisans, enfin, donc, toutes les personnes qui font vivre la commune de Dormans. Donc, déjà, je tenais vraiment à vous remercier. Ensuite, je... Oui, ça fonctionne. D'autre part, bon, alors je sais pas si je vais aller forcément dans l'ordre dans les remerciements. Si, c'est parce que c'est radio. Ah, d'accord.
Donc déjà, je voudrais remercier toute mon équipe, donc Élodie, Mickaël, un grand merci à Sébastien qui s'est vraiment donné à 200%, Nicolas et Manon. Donc, en fait, Sébastien, c'est mon adjoint. Donc c'est pour ça que... Donc un grand merci à vous de vous être impliqués, d'avoir ce résultat aujourd'hui. Un grand merci aux personnes de Club Partenaire. Donc petit Davy Croquette, voilà, son surnom. Donc il y a des personnes, il y a Philippe qui est là, Xavier qui, voilà, qui est peut-être encore en train de travailler. Donc Jacques qui est là-bas au bout. Olivier qui est là-bas. Enfin donc voilà, alors j'en oublie sûrement. Il y a Johan qui a. Enfin c'est une personne qui a été chef de projet chez. Chez Weldon, on a le droit de le dire quand même. Donc qui m'a fortement aidé aussi dans l'implantation du magasin. Donc il n'a pas pu être là ce soir en raison de grève de train ou d'avion, je ne sais plus. Bref. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes d'un grand soutien. Donc je ne sais plus trop par où commencer. En tout cas, je remercie tout le monde. Je vais laisser la place à monsieur le maire. Je ne sais pas où il est, monsieur le maire. Il est là-bas. Il arrive. Et j'oubliais surtout un grand merci à Pôle emploi. Monsieur Mathieu est dans les parages, je crois. Je ne sais plus. Ouais, il est là-bas au fond. Donc, pour leur aide et leur soutien dans le recrutement de mes collaborateurs. Voilà, un grand merci. J'avais pas prévu d'intervenir. Et finalement, comme il a pas tout dit, enfin il a dit des bêtises, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de soucis, en fait, tu vois. Et voilà, ouais. Par contre, ce que tu as fait, c'est oui, que tu m'as remercié, mais j'ai entendu à un moment donné que tu remerciais le contact avec la municipalité. C'est vrai que c'est pas moi, c'est l'équipe municipale. On essaie de se battre au quotidien pour essayer de faciliter. Voilà le développement d'activités quand on a des porteurs de projets comme Fabrice et son épouse. C'est pas simple sur une petite commune rurale comme Dormans. Et là, moi aujourd'hui, voilà, je vois des commerçants, des artisans qui se donnent au quotidien pour faire en sorte que on continue d'exister. Je vois des gens aussi qui sont responsables d'associations, et c'est important. Tout ça, c'est ce qui fait la vie locale. Ça a été compliqué et il y a plein d'émotions chez eux deux. Et je peux vous dire que c'est tout à fait logique parce que ça a pris un paquet de temps. Et puis si on évoque juste la petite difficulté sur la fin, c'est pas la plus importante. Il a fallu traiter avec des groupes qui sont compliqués, qui veulent rien savoir parce que ils parlent pas forcément la même langue que nous déjà. Et ça a déjà été ça. Et puis, il fallait en avoir quand même, pour se lancer comme vous l'avez fait. Et moi, j'en connais plein des gens qui sont là à vouloir se développer sur Dormans. Je trouve que c'est encore plus fort quand c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, parce que ça a été dit, quoi. Il dit, ouais, on a été bien accueillis ici, mais c'est réciproque, quoi. Fabrice et puis son épouse, ils se sont tout de suite dit, voilà, on va s'investir. Cette entreprise que l'on connaît, qui s'appelle toujours Entreprise de Labour, mais voilà, qui se développe, qui connaît une nouvelle jeunesse, et Yo, il est là aussi, et il partage mon point de vue. Et voilà, c'est des biens, mais il y a ce projet ici qui vient d'aboutir, on l'attendait depuis des années. Voilà, donc c'est hyper important. Il y en a d'autres aussi, des projets qui vont voir le jour. On a une maison de retraite qui va bientôt voir le jour. On travaille sur un second pôle handicapé. On travaille pour réutiliser une friche industrielle dans la zone d'activité. Donc tout ça, c'est pour développer de l'emploi, parce que cadre de vie, c'est bien, mais il faut de l'emploi pour vivre. Et voilà. Moi, vraiment, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez une ovation pour eux deux, pour Fabrice et son conjoint, parce qu'on a besoin de gens comme ça, et il faut vraiment leur témoigner toute l'estime qu'on leur porte. Quand il vous dit on travaille déjà sur autre chose et tout, c'est vrai. Voilà, avec Fabrice, on réfléchit déjà sur autre chose. Ça n'a rien à voir avec du commerce comme celui-ci, ça n'a rien à voir avec l'entreprise d'artisanat que tu as montée avant. Mais voilà, il a déjà des projets pour rebondir. Faudra me le prêter encore un petit peu. Pas de problème.
Et puis sinon, j'ai entendu que t'avais bon cœur, mais ça c'est vrai. Mais on espère qu'on va le vérifier au quotidien maintenant, à tous les jours, pour t'en franchir les portes. Et puis, par contre, tout le monde a le sourire là, mais moi j'en connais un paquet là dans l'assistance là. Vous n'aurez plus l'excuse, quoi. Moi non plus d'ailleurs, de dire ah ben non, chérie, je peux pas faire. Là, chérie, bien sûr, je vais aller chez mon bricot et puis je vais faire ce qu'il faut pour venir faire le travail. Exactement. Bon, on va faire une ovation à Fabrice Hidalet. D'accord. En aparté, on a fait une publicité sur Champagne FM et ouais. Vous verrez, c'est un petit peu décalé, c'est assez marrant. Et là, le mari n'aura plus l'excuse que c'est très loin et revient le lendemain. Là, il repartira et une heure après, normalement, il est rentré. Maxi, voilà, je vous invite, on va boire un petit coup, on va se restaurer, prenez plaisir. Nous, on est heureux que vous soyez tous réunis. Nos partenaires de Weldorm, Club Park, tous les commerçants, la municipalité, la gendarmerie, les pompiers, tout le monde, on est heureux, c'est une journée de fête, on a eu des nuits pas faciles, des engueulades, avec tout le monde, avec mes salariés, avec ma femme, avec les salariés de mon bricot, les salariés de labour, tout le monde, mais on arrive à quelque chose, et des fois c'est bon d'aller, de se tirailler et d'arriver au bout, voilà. Donc, même des petits projets, si on a la niaque, on peut y arriver. Tout le temps. Même s'il y a des bâtons dans les roues. Et pourtant, je suis un grand anxieux. Mais j'ai toujours foi en l'avenir. Donc voilà, j'ai de l'anxiété, mais j'ai foi en l'avenir. Je vous invite à boire un petit verre. Bonne soirée. Tu n'as pas droit envie de te parler. Faut aller divorcer, hein. Parce que là, on est mal. Hein. Bah, va le mettre là-haut. Pour rigoler, hein. Fabrice, fasse une photo avec la voici d'embrasser, les salariés.